vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Voilà, je sors du travail. Qu'est-ce que je trouve dans ma boîte aux lettres? La Sweet Sparkle Box. Donc, comme vous le savez, c'est une box 100% maquillage qui vient des États-Unis avec les frais de port à l'international offerts pour tout achat en fait de la box. Donc en fait, je remercie déjà la marque de me l'avoir envoyée. Vous savez qu'on fait de très belles découvertes dans cette box. D'ailleurs, il y a pas mal de choses que je vous mets relativement souvent dans les tutos qui parviennent en fait, qui proviennent, pardon, de cette box. Donc voilà, je viens de la recevoir. Je suis trop contente. Je vais la décacheter avec vous. Donc toujours aussi jolie en rose comme ça. Je suis obligée d'arracher hein, le papier de soie parce que sinon... comme j'ai de ma gauche, ça va prendre 3 plombes, comme d'habitude. Donc à l'intérieur, on a toujours le joli petit, les jolis petits zigouigouis, comme je le dis toujours, noir, voilà. Et le thème de la box du mois, en fait, c'est Berry Crush. Donc je suppose que ce sera en relation avec la couleur un petit peu de, voilà, de cette couleur-là, des myrtilles. Du coup, vous avez la description sur la carte de tous les produits. Alors, si vous voulez, everything is written in English, donc tout est inscrit en anglais. Je vais essayer à chaque fois de vous proposer de lire avec vous, mais de vous le traduire en même temps. Vous avez la petite carte avec 20% de réduction avec le code VIP20 sur toutes les commandes au-dessus de 25 $. Donc, oui. De toute façon, tous les codes promo, les liens, etc. Je vous liste tout ça en barre d'infos, comme d'habitude. Donc, on va commencer tout de suite avec... bah écoutez, je ne sais même pas si je dois prendre dans la box et puis suivre le menu. Mais bon, je pense qu'on va plutôt prendre dans la box parce que ce sera plus simple pour moi. Alors, la première chose que je prends, c'est Starlux. C'est un rouge à lèvres. Alors... il y a des parabènes et des... parce qu'en fait la compo est bien écrite dessus. Ah, par contre c'est tout plein de noir. Parabènes, silicone et c'est tout. Donc voilà, vous le savez, c'est un, je suppose, un rouge à lèvres liquide matte lip paint. Donc voilà, c'est un rouge à lèvres liquide matte. Donc on va l'ouvrir ensemble tout de suite. Donc, je suppose, hein, bien entendu, que la couleur, ben, c'est fait exprès. Ça va dans le thème. Moi, j'aime beaucoup les violets comme ça, assez profonds, avec des sous-tons, voilà, qui ont des sous-tons roses. Donc, pour moi, je sais que ça posera pas de souci que je vais le porter. Ben, d'ailleurs, hein, c'est pas pour dire, mais ça ressemble un chouïa à ce que j'ai mis aujourd'hui. Voilà. Donc, swatch en... En direct, en live. C'est plutôt joli. Et si... voilà, c'est un peu plus foncé que ce que je porte actuellement. Et ça a l'air vraiment d'être mat parce que là, on ne le voit pas. C'est pas très flagrant à la caméra. Mais de toute façon, on va laisser... Voilà, là, je fais bien le reflet. Excusez-moi, je regarde dans mon retour caméra. Mais du coup, on regardera d'ici, voilà, d'ici la fin de la vidéo pour vérifier si ça a bien matifié. Mais en tout cas, très belle couleur. En tout cas, moi, je sais que je porte vu que, voilà, je suis un petit peu dans... C'est pas fait exprès. Non. Ce n'est pas fait exprès parce que je l'ai ouverte avec vous. Hein, donc, vous voyez très bien que je vous mens pas, quoi. Ensuite, je prends... bah alors là, ça doit être certainement de la marque Cookie. Alors, je vais regarder quand même pour le rouge à lèvres. Donc, c'est le Starlux qui coûte 19 $ à la base. Et c'est un ultra long wear, donc un très longue tenue dans la teinte royaliste. Voilà. Ensuite, on a un Velvet Lip Liner. Donc ça, c'est un contour des lèvres, tout simplement pour aller avec. Je vais essayer de voir au niveau texture. Bon, il est super gras, donc ça posera pas de soucis. Vous pouvez tout à fait faire le contour et ensuite venir poser votre... comment dire, votre rouge à lèvres plus intense par-dessus. Ou alors le faire carrément en base. En base, voilà, de rouge à lèvres. Et poser votre rouge à lèvres dessus, comme vous voulez. Soit vous faites un ombré, machin et tout. Mais bon, étant donné qu'il est un chouïa un tout petit peu plus clair,
Vaudra mieux juste faire le contour, vu que c'est la mode en ce moment aux États-Unis, de faire le contour, de venir un tout petit peu l'estomper et de venir passer une couleur beaucoup plus intense à l'intérieur. Donc cette petite chose de cookie cosmétique, c'est à 6$. C'est pas excessif, hein, on va dire. Et c'est fait en Allemagne, c'est fabriqué en Allemagne. Donc je l'ai jamais vu moi chez DM ou je sais pas trop. Donc c'est la teinte 544, le Berry Plum. Donc toujours de la teinte, voilà, qui est laissée comme indice sur la carte postale. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc vous voyez, le mat n'est pas encore matifié, hein. Donc on verra bien en fin de vidéo. Ensuite, qu'est-ce que je prends dans cette petite boîte? Donc là, c'est le Punk Volumizer Mascara. Alors, je regarde un peu. Mascara, je ne peux pas vous faire une démo tout de suite maintenant puisque mon mascara est posé. Donc là, pour le coup, il se présente comme ceci. Donc voilà, hein, ils ont cherché un mascara qui est le packaging, je pense, de la couleur du Berry Crush. Donc du thème, et c'est la marque, donc le mascara de la marque Douce, donc D-O-U-2-C-E, donc c'est cool. Ils disent qu'en gros ça reflète un volume dans la même lignée que les fossiles, donc on verra bien. C'est pas censé chuter, c'est pas censé couler, c'est pas censé coller les cils entre eux, ils le disent bien. Donc, on va regarder un petit peu. Il y a 13 minutes à l'intérieur. Je trouve que c'est énorme, je trouve, pour un mascara. Et on va regarder la brosse. La brosse, c'est un petit peu des picots siliconés, mais à la mode. Alors, j'ai bien envie de regarder si c'est vraiment siliconé. Oui, je crois. Attends. Oui, ce sont des picots siliconés. Parce que vu comment ils arrachent. Alors, la seule chose, c'est que. Je trouve pas qu'il dépose... Parce que vous savez, un mascara, quand tu fais ça, t'en as juste plein, quoi. Alors que là... Alors, est-ce que c'est le temps de... Je viens de faire ce qu'il faut justement pas faire avec des mascaras, c'est faire ça avec la brosse. Mais bon. Alors, je trouve pas qu'il soit très, très noir. Parce qu'en général, quand vous avez un mascara, que vous faites ça, voilà, t'en as partout. Genre, moi, mon L'Oréal... volume collagène, tu fais ça, t'as juste un pâté de mascara. Donc non, je pense que vraiment il doit être pas très très intense, mais bon, je verrai bien, je vous redirai un petit peu ce que j'en ai pensé. Je vous ferai certainement, hein, comme d'habitude, je vous ferai un make-up du jour avec ça, parce que ce qui est bien avec cette box, c'est qu'il vous propose toujours à chaque fois des choses pour faire un look complet. Donc ça, j'apprécie énormément. Et ce mascara est à 24$, donc en soi, ça doit faire aux alentours de 15€. C'est dans la même lignée, hein, que les L'Oréal qu'on trouvera en France. Donc faut voir si il tient ses promesses, parce que sinon ça va juste me conforter dans l'idée que mon volume collagène est juste un des... Voilà, c'est volume collagène pour l'instant. Il y a le papillon aussi qui le surpasse, mais... C'est vrai que j'ai toujours trouvé mes favoris dans les L'Oréal et pas forcément dans les autres marques du genre Benefit ou Urban Decay. Enfin, je sais que L'Oréal, c'est Urban Decay, mais Benefit ou tout ça. Eh ben, j'ai jamais trouvé de choses qui me conviennent à moi. Et les L'Oréal, en général, ça a été mes coups de cœur. Plutôt que des marques un petit peu, disons, de semi-parfumerie, on va dire. Ensuite, je tombe sur quelque chose qui s'appelle Ikari Cosmetics. Donc ça, c'est la marque. C'est un quad eyeshadow, donc de fard à paupières, qui s'appelle Emma. Donc, wow, et il a fait un saut, mes amis. Je n'ose même pas aller voir. Je crois qu'il n'est pas cassé. Donc ça, franchement, ils sont vraiment super bien pressés, les pigments, pour ne pas casser. Je reviens tout de suite, je vais aller le chercher parce qu'il a fait un bond de 5 mètres. Vous en conviendrez que je vous ai encore fait une magnifique démonstration de mes 3 mains gauches minimum. Donc le quad, il donne ça, je vous ferai un make-up avec. On a 3 mats ici dans les tons violine et un irisé dans les tons taupe. Alors franchement, je vais les swatcher, mais celui qui est irisé, il est juste... J'adore de trop.
Ensuite, au niveau maths, wow, ils sont super pigmentés en fait. Faut pas que j'y aille comme un bourrin parce que ça va juste pas. Voilà. Un chouïa poudreux, mais vraiment, au niveau de la texture, quand on le touche au doigt, il est assez velouté en fait. Enfin, les fards sont assez veloutés. Donc, c'est une texture que j'aime particulièrement parce que ça poudre pas beaucoup sur le pinceau en fait. Mais par contre, c'est des textures aussi qui, quelquefois, donc je vous remontre au niveau des couleurs, ce sont des textures qui, quelquefois, ne fonctionnent pas avec les pinceaux. Donc on fera, je pense, un live make-up, quelque chose comme ça. En plus, c'est exactement les tons que j'avais employés aujourd'hui pour réaliser le make-up que j'ai porté au travail. Donc ça, c'est la tête que j'ai eue au travail aujourd'hui. Donc vraiment, en fait, j'ai l'impression que cette box va un petit peu à contre-courant, et comme moi d'ailleurs, puisque je suis comme ça aussi. J'ai eu envie de, voilà, d'automne en plein printemps. Donc c'est juste, va comprendre la logique, je ne comprends pas non plus. Mais du coup, c'est carrément les couleurs que je porte. Ça fait 2 semaines que j'aime ben, je vous l'ai montré d'ailleurs en vidéo, que j'aime les couleurs, voilà, un petit peu chaudes, un petit peu, voilà. C'est très très joli. J'ai hâte de pouvoir jouer avec ces petites choses-là. Donc pour l'instant, je ne suis pas déçue du tout de ça. Et franchement, je suis jamais déçue de cette box. C'est pour ça que il y a encore un papier qui est tombé. C'est pour ça que je la recommande toujours, parce qu'il y a vraiment moyen à chaque fois de faire des trucs super sympas. Donc pour le Quattro, il est à 15$. Donc de la marque Ikari Cosmetics. Je trouve pas que ce soit là, franchement, c'est pas cher. Je trouve 15$. Il y a des Quattro qui sont beaucoup plus chers dans d'autres marques et qui voilà, qui sont un peu plus poudreux, un peu moins. On verra bien un petit peu si ça tient par la suite, mais pour l'instant, je trouve qu'au niveau prix, ce n'est pas exagéré par rapport à ce qu'on trouve chez certaines marques. Donc pour l'instant, il n'y a aucune marque que je connaisse, mais ce qui est bien avec cette box, c'est qu'on découvre aussi pas mal de choses. Donc moi, je viens à bout de cette box et je pique dans la boîte le dernier produit qui est somme toute super bien emballé. Alors je n'ai aucune idée de ce que c'est. C'est une ombre mono. Alors je ne sais pas. Je vais l'ouvrir. Elle est de couleur chocolat, marron glacé, je trouve. Ouais, un peu marron glacé. Un peu marron glacé, mais en même temps, ça tire un chouïa sur le pêche. Alors, j'ai pas envie d'utiliser. Je vais prendre l'autre main. Alors. D'accord. Donc, ça tire sur le pêche. Qu'on soit bien d'accord. Donc, est-ce que c'est un blush? Ou est-ce que c'est. Donc, c'est la marque Manakadar Beauty. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Manakadar Beauty, c'est à 19€ cette petite chose. Et c'est un 3 en 1. Donc, c'est la teinte Fantasy. Et c'est un blush, un highlighter et une ombre à paupières en même temps. Donc, je vous remontre un petit peu la couleur. Non, où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Je vous remontre un petit peu la couleur en eyeshadow, en ombre à paupières, oui. En highlighter, pourquoi pas. En blush, va falloir... voilà. En blush, ça reste quand même super glowy. Hein, donc, faire attention avec parcimonie. Et le mot du jour, justement, ce sera parcimonie, puisqu'on m'a dit que j'adorais ce mot. Et oui, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un mot, voilà, à placer dans toutes les vidéos. Voilà. Donc, si vous ne savez pas du tout comment parcimonie s'écrit, ne vous inquiétez pas. Je vous le mets, le mot, en barre d'infos. Vous n'aurez juste qu'à faire un copier-coller. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot du jour, c'est en fait si vous atterrissez sur cette vidéo, que vous avez apprécié un petit peu la manière dont je l'ai travaillé, dont je me comporte, dont tout ça, et ben vous prenez ce mot-là, et si vous n'avez juste rien à me dire, vous mettez ce mot-là dans un commentaire, et moi je vous enverrai un joli cœur, bon là j'arrive pas trop bien à le faire, pour vous dire que je vous aime à la folie, comme d'habitude. Donc voilà, donc on revient à nos moutons, parcimonie c'est fini, on regarde de nouveau cette petite chose. Alors, j'ai juste envie de le tester, quoi. Donc, hop, je vais pêcher un joli pinceau. En plus, ça tombe bien, puisque c'est un pinceau blush. Alors, il est super poudreux, par contre. Alors, j'ai peur que... J'ai
peur. Alors oui, hein, il est irisé, hein, pour le coup. En blush, il faut pouvoir porter du irisé quand même, mesdames, hein, je vous le dis tout, tout clair. Hein. Donc on va juste dire que c'est un highlighter couleur un petit peu dans la même lignée que ceux de Anastasia Beverly. Vous savez, il est un peu pêche, etc. dans différentes teintes pour se fondre plus facilement au blush et pour avoir vraiment des jolis reflets. Donc oui, il est vraiment très très joli, vraiment. Alors là, je pense que celui-là, il va rentrer dans mes favoris parce que waouh, 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 il est très très beau. Donc, on a déjà terminé avec cette box. Comme vous le savez, c'est une box en gros qui regroupe à peu près, on va dire, 80$ de produits. Donc voilà, ben, je trouve que grosso modo, c'est encore un top pour eux parce que vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai très rarement été déçue. Peut-être la dernière qui était pas... qui était peut-être pas voilà comme je l'aurais espéré, mais là ouais, il se surpasse quand même. La Sweet Sparkle, c'est comme la box que j'adore, c'est deux box que j'adore, et en plus qu'elle soit 100% make-up, c'est juste une aubaine, parce qu'en fait vous êtes sûr de pas vous tromper pour le prix que vous allez payer. Vous avez tout à l'intérieur, ils vous font les lèvres, les yeux, les joues. Donc je trouve que c'est vraiment vraiment pas mal du tout. Là vous avez le mascara aussi. Donc on va se retrouver dans une prochaine vidéo, bien entendu, pour le résultat en live, puisque j'ai vraiment envie de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Les couleurs sont juste sublimes. Pour le rouge à lèvres mat, bon, vous voyez, hein, pour moi clairement c'est pas un mat, définitivement mat, mais il a quand même cet aspect un petit peu lumineux. Donc pour moi c'est pas forcément du mat mat. Vous voyez ce que je veux dire? Là celui-ci, oui, c'est un mat parce que j'ai mis un Huda Beauty en dessous. Donc du coup ça va ressortir mat, bien entendu, sur ce que j'ai mis au centre. Mais non, c'est pas du totalement mat. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur cette box. Moi j'en suis toujours ravie. Donc laissez-moi en commentaire vos avis. Voilà, si vous voulez pas forcément laisser le mot du jour, mais dites-moi si vous êtes client chez la Sweet Sparkle et si vous avez déjà été déçu de cette box. Parce que moi, je crois que ouais, celle de décembre m'avait un tout chouïa un petit peu déçu. Mais sinon, pour celle d'avant et la, surtout celle-ci est très très jolie aussi. Hein, vraiment magnifique. Je sais que la première que j'avais reçue, il y avait un blush aussi de Wet n Wild que j'avais juste adoré, un pêche que j'ai mis tout le mois complet tellement je l'ai aimé. Donc voilà, c'est pour vous dire un petit peu que finalement ils vous font découvrir des choses plutôt sympas et dans des couleurs, dans des coloris vraiment intéressants. Du coup voilà, je crois que j'en ai terminé et que j'ai pas envie de rallonger encore cette conclusion trop longtemps. Donc sachez que je vous aime très fort et n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve de toute façon pour une nouvelle vidéo très bientôt. Je vous fais d'énormes gros bisous d'amour. Bisous, ciao, ciao.